Comment ça se fait qu'on ait des clés dans le coffre? Non, on doit pas avoir. Attends, on va regarder la dernière question. C'est quoi Dingy? Mais c'est pas ça, t'inquiète pas. T'inquiète pas, c'est pas la salle du fond, c'est pas les plaques. Aïe. Mais non! Ah, attends! Attends 2 secondes! Voilà! Ah ouais, putain. J'ai un petit problème. Ah, ah ça gonfle? Bah Ouais, ouais, ça gonfle, attends. Non, je les ai laissés à Jason, il m'a dit qu'il avait mis partout au foyer. Alors en fait, maintenant on a gardé les clés, tu vois, dessus. Donc en fait, il faudrait que Jason repasse. Je sais pas s'il passe ce soir. Ah! Pourquoi y a un problème? Non, c'est lui qui a les clés. Bah. Jason, ah ouais? Il est pas là ce soir. Parce que y a même Mathieu qui m'a appelé hier, je pense. Ouais, pour récupérer les clés dans le coffre. C'est pour la Stinger? Non, 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 ça restera. Ah, ok, ah oh, ouais, ça. Ok, d'accord. Non, non, là, ça restera. Oh là là. Je vais essayer d'appeler Jason. Essaye, essaye. Parce que là, j'en ai vraiment besoin pour ce soir. Comment tu vas, Jamal? Bah ça va et toi? Ah bah t'es passé bleu, félicitations! Ouais, t'as vu ça! Voilà. C'est mérité. Oh, c'est gentil. Et Anton, comment il va? Ça va. Un petit ça va, ça? Non, non, ça va très bien! Ça va très gonfle. Bien. Ouais! Truc de ouf. Tiens, ouais, je me lève plus, hein, c'est... Je me lève plus beaucoup. Ah, tu m'étonnes, elle a pu ressortir du lit, c'est la galère, non? Ah bah là... sortir du canapé, tout ça... je dors sur le de côté, j'arrive pas à dormir sur... J'arrive plus à dormir sur le ventre, je suis dégoûté. Et là, j'ai passé le week-end en France, je pense que j'ai plus beaucoup bougé parce que... Ah tu restes ici finalement? Bah je vais pas avoir le choix, soit là je vais dire à William, enfin vu qu'il est passé vice-gouverneur, je pense que je vais rester dans le coin, mais... Je vais pas rentrer en France sans lui, ce serait débile. Ouais bah ouais, je comprends, ouais. J'ai vu que dans le week-end, il y a Monsieur Lin qui a mis comme quoi j'étais parti. Yep. Et bien, là, je reviens juste... Il nous l'a annoncé une semaine après que tu nous l'as annoncé, quoi. Oui, mais il m'a clairement dit que vous oubliez que je partais, donc... Bah super. Donc, du coup, oui, c'est pour ça que ça a mis du temps. Et du coup, voilà. Donc c'est maintenant qu'il faut postuler. Hein. Dans une semaine, ce sera trop tard. Pourquoi? Et bah parce que en général, globalement, ça dure une semaine, hein, ce genre de choses. Non mais Antoine a déjà mis son truc, je vais pas court-circuiter la démarche. Hein. Alors, c'est pas parce qu'Antoine l'a fait qu'il faut pas l'essayer si vous avez envie de le faire. Non, hein. Non mais pas envie. Le mieux, c'est que ce soit quelqu'un qui connaisse déjà le garage qui reprenne, et pas quelqu'un de lambda. Ouais, ouais, parce ouais. Que quelqu'un connaît le fonctionnement du garage, c'est quand même vachement plus facile que quelqu'un qui connaît rien. Clairement, je comprends. Maintenant, si Antoine l'a fait et qu'il passe, faut vraiment le soutenir jusqu'au bout. Hein. Ça, je continuerai à le dire. Et même si je fais plus partie du garage, je le soutiendrai jusqu'au bout. Bon, là, je me permets d'être là parce que, ben, même si c'est compliqué pour moi, là, actuellement, je vais pas te mentir. Ouais, j'ai des envies, j'ai envie de faire pipi H24, donc vraiment, c'est pas cool. Ah, j'arrive en temps de pipi. Je suis en refaire la compta, tu t'inquiètes pas Anton, je m'occupe de toute la compta. Vraiment, t'as pas à t'inquiéter pour ça, s'il y a un problème, c'est pas sur toi que ça va se retomber, ça va être sur nous. Moi et Edouard. Non, tu t'inquiètes pas, vraiment, faut pas que tu paniques pour ça, tu paniqueras quand ce sera toi qui aura fait la compta. Ouais, t'inquiète pas. Et là, en l'occurrence, c'est pas toi. Parce qu'en fait, en ayant regardé avec Baril, il m'a dit que les fiches étaient broken en fait. Mais c'est complètement con, mais bon, c'est pas grave. Il y a des semaines où juste t'auras pas d'impôt à payer, c'est pas grave, ils sont mieux hein. Imagine, j'étais prête à donner plus d'argent au gouvernement que... J'ai eu un don, j'ai dû stipuler dans un mail avec le procureur, le gouverneur et le vice-gouverneur. Mm-hmm. D'un don, le de ce custom, j'ai dû faire un entre sortant, tu vois, dans le mail, ouais, j'ai ouais. dû faire. Et je dois le noter dans la compta dans l'entrant. T'as eu un don, c'est un revenu en soi, donc oui, c'est... Mais il m'a dit que j'allais pas payer d'impôt dessus.
Ah bah non, parce que c'est un don, alors. Putain, c'est même pas possible ça. Parce qu'il m'a dit, Baril, ce qu'il fallait faire. En fait, c'est que toi, tu dois avoir deux trucs de différents. Tu dois avoir bah, ta fiche de déclaration, d'accord? Et tu dois avoir tes entrées-sorties en fait sur une autre fiche. Moi, j'ai toujours suivi le modèle de d'Edouard et de Eric. Hein. Donc là, je sais pas. C'est ça, je n'ai pas compris non Quelqu'un a plus. un menu, s'il vous plaît? Tiens. Ouais. J'avais pas vu que tu vendais ton camacho, j'ai dû en acheter un. Trop tard. Je sais, mais j'en ai acheté un d'occasion. Merci. De rien. Ouais, il y a du monde qui vend ses sujets en soi. Ouais. Oh, ça fait du bien. T'es sûr que c'est bon pour le bébé? Bah, il aura du gras pour quand il sortira. Ok. Bon, en tout cas, je m'occupe de tes déclarations et je rentre parce que vraiment là, debout, c'est un calvaire. Ça doit ruiner le dos. Un Parce que peu. j'ai reçu un mail de maintenant. De quoi? Aujourd'hui, je lui ai envoyé ma dernière fiche d'imposition. D'impôt. Et il m'a fait, alors, comme convenu, hein, nous viendrons rechercher les impôts. Après une rapide analyse, nous avons remarqué des irrégularités, c'était le mail qu'il avait fait. Des contrôles plus poussés pourront avoir lieu dans les semaines qui suivent. Bah écoute. Moi, j'aurais m'en reproché, hein. Après, à part mon erreur de calcul, j'ai rien à cacher. Moi non plus. Mais Story qui est venu avec la voiture enneigée là? Ouais, c'est la mienne, pourquoi? Putain, je croyais que c'était à Pongo. Non, Pongo, c'est version Halloween. Ok. Je vous laisse entre patrons. Ouais, ça marche, moi, t'inquiète. Ouais, du coup, Anton, pas de custo de 21 à 22, c'est ça? C'est ça. Des repas, vous pouvez les faire, mais que à l'extérieur, par contre, tu Ouais, vois. ouais. Les custos, il y aura le véhicule blindé à l'intérieur avec le véhicule et les speedy, en fait. Yes. Si je me rappelle bien du dispatch, comment ils vont faire. Est-ce que j'envoie pas un message au Wesel pour qu'il nous fasse une annonce? Non, pas grave. Non? Ok. Pas grave, tu t'avertis le client directement. Par contre, si vous pouvez faire quelque chose, vous prenez, sort un autre plateau. Ouais. On va en mettre un vraiment là-bas collé, vraiment sur le long, là-bas. Ouais. C'est vraiment collé. Ouais, Et on va en là mettre où le un burger shop sur se met le. des fois. Et nous, on va se mettre là-bas directement. Tu le mets derrière le truc, en fait, dans la petite route. Derrière. Là, tu le mets là, attends. Comme ça, ici. Ah oui, ici. Ouais, ok? Ok. Parfait, merci. Je vais t'en servir un autre plateau, je vais te donner un coup de main. On va Vas-y. prendre le plateau, va le chercher en haut, Salut. je pense. Bonsoir. Voilà! Ça va? Ouais, toi? Ouais. Oh, y'a Oli? Ouais. Nice. Elle s'en va, elle reste pas. J'envoie ça de suite. Parfait, sans problème. Merci. Les gars, deux dépanneuses, s'il vous plaît. Vous Ouais. partez au gouvernement devant. Il y a deux. Il y a deux camping-cars à dégager. Vite, 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 vite. Ok. Au plus rapide, les gars. Allez, allez, allez. Go, 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 go! Il y a déjà les dépanneuses sorties? Allez, allez, elle est là, là, là. Jason? Ouais, allô. Ouais, bah bouge ton camping-car, on est en train de le mettre à la fourrière là. Vous vous foutez de moi, c'est bien garé. T'es devant le gouvernement, on a besoin de dégager les trucs, a Mais priori. pour, que... pour quelle raison? Aucune idée, aucune idée. Ah, On nous a... ça casse les couilles, hein. Bah vas-y, bouge. Bouge, bouge, Ouais, bouge. vous.
J'en vois qu'un camping-car. Le proprio, il est en train de se barrer avec le camping-car. Le deuxième, il est où? Je sais pas. Vous allez embarquer la voiture du gouverneur? Non, 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 mais il était... On nous a dit qu'il y avait deux camping-cars... Qu'est-ce que vous avez dit, les gars? Eh, franchement... cousine? Eh, ben non, moi, je suis tout seul ce soir. Okay. Eh, franchement, c'est des siens. Ils vous font déplacer juste parce que je suis garé devant le gouvernement. C'est vraiment des bâtards. Le proprio du camping-car en train de se barrer. Oh, je suis soqué, pas mal. Bah, fais gaffe à toi. Ouais, ça roule. Vas-y, à plus tard. Et du coup, y a, on voit pas de deuxième camping-car. Non, y'a qu'un camping-car là devant le Gouv. T'avais pas vu la voiture, peut-être? Ah non, je l'ai vue juste quand je m'en suis approché très près. Je comprends pas en ce moment, ça fait toujours bonjour. Ça. Bonjour. Bonjour. Je comprends pas en ce moment, je vois comme si les voitures, il fallait qu'elles soient vraiment à côté de moi pour que je les vois. Ah bah pareil, c'est un peu l'idée, ouais. On a fait la même, t'as avec la limousine. Et par contre, c'est qui vous a appelé pour dire le camping-car, c'est le gouvernement? Aucune idée. Notre chef nous a dit d'aller partir là-bas pour... Ouais, franchement, c'est super moche. Vous savez ce que j'étais en train de faire? J'étais assis sur la fontaine, juste à côté de mon camping-car, en train de jouer de la guitare. Ah, ouais, méchant. Non mais sûrement que vous dérangiez, ça fait pas très propre. Ah ouais, non pourquoi mais je te vois d'ailleurs. Ouais, c'est rien, vraiment con, va mal. Bah, d'habitude, il respecte, t'as vu, il respecte le poids de la guitare. Non, franchement, si c'est ok, ça c'est juste parce qu'on pollue leur paysage visuel. Ah, y'a des chances, ça, ça fait pas propre, tu sais, devant le gouvernement, ça fait pas. Ah, bah, tu peux te dire que je vais me fendre d'un petit post sur les réseaux sociaux. Genre... Vas-y, hein, libre à toi. Ouais, franchement, je trouve que c'est pas très 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 bien quand même. Et dis-moi juste, c'est le SPD en général qui vous demande, qui demande à votre chef de, d'envoyer les trucs, ça dépend de qui. Les fourrières, ouais, c'est le SPD, mais là je sais même pas si c'était une mise en fourrière, ils nous ont juste demandé de. Ouais, on n'a pas eu de casse ou de fourrière, c'était vraiment on est récupéré le véhicule. Ouais, putain, c'est de la folie, sérieux. Ok, bon, je vais aller me reposer dans un coin avec le camping-car où je zènerai pas le visuel des gens. Et ouais, faire... Wilkins, quoi. Ouais, c'est ça. Comment tu sais? Parce que je te vois, t'es tout le temps là-bas. Mais j'aime bien ce parking, il est tranquille. Il est tranquille, ouais. Ouais, sauf au moins, c'était pas emmerdé, au moins. Ouais, sauf l'autre jour, il y a Léonil qui ont volé le camping-car de la cousine. Ah ouais, ok. C'était comme ça. Arrête bon, de mettre la radio, Justin. Monsieur Justin, monsieur Zamal, je vous salue et peut-être à tout à l'heure. Yes, pas de soucis, pas entre 21h et 22h. Par désolé, pourquoi vous êtes... Elle bouge en bas, dans ma poche. Vous êtes en réunion? Non, il y a une livraison de pognon. Ah ok, ça marche. En gros, il va y avoir 10 patrouilles à l'Espidi, a priori, la Brinks et tout, qui se ramène pour convoi de fond, quoi. Ah ouais, ok, ça marche. Voilà. Et ah, mais c'est peut-être pour ça qu'ils voulaient que je bouse. Oui, mais enfin, ouais, je sais pas, mais je vois pas le rapport, en fait. Bah moi non plus, je vois pas trop. Peut-être que ça part du gouvernement. Peut-être que c'est un trop gros véhicule, que ça convenait pas. Ouais, mon cul, bon, franchement, je pense que c'est juste pour nous faire tirer. Ouais, ouais, il y a des moyens. Bon, je reviens. À tout à l'heure, peut-être. T'es allé voir Eduardo aujourd'hui pour la bagnole? Non, j'y suis pas encore allé. Ok, si tu veux y aller, tu me dis parce que du coup, j'ai retesté effectivement avec mon outil là, les flics ils sont pas prévenus quoi. Ah, oh, mais c'est trop bien. Donc, mais on s'appelle après 22h si tu veux. Attends. Du coup, il y a besoin de moi là, entre 21 et 22, ou je peux prendre une heure de pause? Si tu veux, je sais pas à quelle heure il passe. Putain. Chier. Ouais, ils ont besoin de toi. Non, ils ont pas spécialement besoin de moi, mais tu vois, j'aurais pris une petite pause pour t'aider, mais je vais pas. Vas-y, je vais prendre. J'arrive. Ouais, ça marche. Ouais. Ah. Du coup, je suppose que si je prends ma fin de service et que je reviens quand ils sont là, je pourrais pas rentrer en fait. Non. Ils vont pas te laisser rentrer, surtout en black. Mais si je passe par le parking employé. Je sais même pas s'ils vont te casser les couilles. De quoi? Je sais pas s'ils vont te casser les couilles.
comme tu veux, si tu voulais faire quoi. Bah, je voulais aller faire une petite course avec Jason. Une petite course. Ouais. Okay. Bah, acheter quoi, de la verdure et des télés. Ouais, voilà. Ah, vas-y, cours. Vas-y, à tout à l'heure. Ça. Je te laisserai au pied. Je prends une pause. Ouais, y'a bien. Ah! Mais non! Parfait, mise en pâture d'une dépanneuse sortie à 21h20. C'est bon, on peut aller faire un petit tour si tu veux. Est-ce que nous c'était pas écouté, Zamal? On peut aller faire un petit tour si tu veux. Allez, go, vas-y, mais par contre, on va aller tercer un autre véhicule. Hein. Pourquoi t'as un autre véhicule toi maintenant? Bon, c'est un scooter. Pourquoi tu veux un autre véhicule? Parce que tu crois pas que la police nous a repéré avec celui-là? C'est pas faux, mais tu crois pas qu'en scooter on va avoir l'air de deux cons? Bah, on va avoir l'air con, mais au moins ils se diront pas, tiens, suivons-les, t'es des enculés au camping-car. Ouais, j'avoue. T'es, ben regarde, c'est le convoi. Sinon, on a un gros coup à faire là. Je crois qu'il est un peu trop gros pour moi. Déjà, ils vont revoir arriver le camping-car, ils vont se dire, ils se foutent de notre gueule. Vas-y, passe à côté. Non, t'es fou quoi. On n'a pas eu assez de sauts hier. Ah, j'avoue. Et tu les as revendus au fait, les tables? Ouais, mais j'en ai encore dans mon coffre. Ah putain! Ouais, donc on va éviter les embrouilles. Ouais, c'est ça. Putain. Putain, y'avait tous les gens, ça fait chier. Mais putain, mais genre y'a un hélico et tout quoi. Mais je pense que c'est pour ça qu'ils m'ont demandé de bouser en fait. Ouais. Ouais, bon, c'est pas des façons de faire. Mais surtout s'il sort de... Mais non, c'est con, il sort à l'arrière, qu'est-ce qui m'emmerde? Ah ouais, c'est bizarre. C'est sûr, le gouverneur s'est voté pour lui, mais quand je vais le croiser, je vais lui mettre un coup de batte de baseball, je crois. Ah ouais, mais c'est le gouverneur. C'est le gouverneur ou c'est le proc qui a fait ça, j'en sais rien. Ouais, t'sais pas, un des deux en tout cas. Sinon, tu sais quoi, tu me poses chez moi, j'ai ma moto. Ah, t'as une moto? Ouais, mais tu voudrais pas trop m'approcher de toi pour avoir non, des problèmes. Tu me poses au unicorn. Ok, ça marche. Je vais chercher la moto et je reviens te prendre au Elgin's, du coup. Ouais, on fait tard. Vas-y. Ah, c'est une enduro, j'adore. Ouais, trop bien. Par contre, je vais éviter de trop rouler parce que j'ai un flingue et un taser dans le coffre. Ah ouais, ça marche. J'ai pas le PPA donc. Ouais, t'es un peu con ça si tu te fais sauter. Ouais, faut pas faire. Et toi et moi, un soir, on va finir en garde à vue tous les deux. Ouais. Des moyens, ouais, si on continue de faire les cons comme ça. Franchement, les camping-cars c'est trop cramé. Y a un mec qui me propose une 116 mais à 13 000, je trouve que c'est un peu tard. Oh, c'est autant l'acheter neuve. Hein. Bah c'est ça, elle est à 15 000 neuve. Tu crois que je lui propose combien? 11, 12? 10. 10? Okay. S'il la revend au concessionnaire, le concessionnaire lui rachète 7. Donc, Ouais, ça marche. Sauf s'il a fait une full perf dessus quoi. Vas-y, non, y a rien dit. Si. Et franchement, par contre, y a masse de flics hein, ce soir. J'ai l'impression, ouais. Aïe! Le con. Ah, ça va, c'est sur le toit en face du Elgin's. On sera tranquille. Oh, sérieux? Ouais, et si tu peux m'ouvrir avec ce. Oui. Ah, cool. Et tu as fait full perche ton truc? Ouais. Ah, ouais, je me disais, c'est avant, ça. Voilà, il s'y prend la rampe. Ah oui. Quelle heure pour la sortie de la dépanneuse déjà? Ça doit être le grand heure. Quelle heure pour la sortie de dépanneuse qui est en peinture? On se rejoint là-bas, Damal. Essaye, tu me dis. Parfait. Attends, j'ai demandé s'il veut pas me randonner.
Non. Il veut pas. Ok, pareil, c'est pareil pour moi. Chiant, putain. Tu veux aller voir Fernando, toi? Fernando? Quoi faire? Ouais, Ernesto, là. Je l'ai fait, moi, déjà, mon... Ah, ok, bah, je te remercie. Franchement, c'était cool. T'inquiète. Tranquille, comme ça. Ah, franchement, moins de stress, y'a point. C'est ça. T'as pas d'autres trucs à parler qu'en cambriolage? Ah non, après c'est les cambriolages, mais franchement, va falloir que tu m'entraînes à nouveau pour crosser. Je crois que j'ai perdu la main. Ouais, et puis de toute façon, il faut un fourgon, on fait plus en camping-car. Ah, en camping-car, franchement, je pense qu'on est cramé. Après, si ça t'embête pas, moi t'as un petit problème pour aller vendre les tableaux au reseller. On peut prendre discrètement le camping-car et aller voir le reseller, si juste pour que tu puisses me vendre mes deux trucs. Ah oui, si tu veux, ouais. Pourquoi? Parce que moi, il. Ouais, non, franchement, il veut pas me parler, cet enculé. Ok, ouais, vas-y, on va voir. Il est où ton camping-car déjà? Elkins. T'es là? Ouais, ça. Ouais, c'est ici, ouais. Ah, tu crois que t'as pas vu le feu? Quoi? Je vois pas de quoi tu parles. Moi non plus. Attends. Ouais, non, mais c'est pareil. Ma moto, je vais pas la laisser ici, je vais la ramener si, là-bas. Mets-la dans le garage, casse-la dans le garage. Quel garage? Derrière toi. Ouais, tourne, tourne, tourne. Là, à gauche. Gauche, gauche. Non, ça, c'est à droite. Genre là? Ouais, là. Genre. Ouais, ça, tu te répètes pas. C'est là où on se casse. Tu m'étonnes. Bah, tu vas peut-être trouver ma moto ici, maintenant. Ouais, c'est peut-être pour ça que tu vois qu'on aime bien être aussi au Elgin, ça. Ouais, je comprends, ouais. Pour ouvrir. Merci. Et c'est parti. Enfin, franchement, c'est full grillé maintenant avec le camping-car fait chier. Et quoi que franchement, tout à l'heure se faisait de la guitare devant le Burger Sot. Ouais. Et il y a, tu sais pas, 4-5 voitures de police qui sont venues me chercher et ils sont venus me donner des sous. Ouais. Ah, cool. Celui qui, tu sais, celui qui nous a arrêté hier, ouais. Je crois, attends, 75. Je sais pas, je crois que je reconnais pas et puis je... Ouais, celui qui était avec moi quand on se parlait là, bah, il est venu me donner 1000$. Hein. Putain, cool. Ils avaient envie de lui dire ça paiera mes prochaines amendes. T'es con. Pourquoi tu te fais souvent arrêter? Et franchement, depuis que je suis arrivé à Los Santos, j'ai pris 0 amende. Ah, il me semblait. En même temps, quand tu veux pas faire l'excès de vitesse. Et ah, tu rigoles ou quoi? Franchement, l'autre jour, j'ai traversé Los Santos, j'étais à 140 avec le camping-car. Avec ça? Ouais, c'est sûr. Tu mets un coup de volant, par contre, le truc, ça se pousse dans tous les sens. Tu finis sur deux roues. J'ai déjà vu hier soir sur l'autoroute ce que ça donnait. Et franchement, cet après-midi, j'étais conduire des camions pour lourds. Ouais. C'était soqué, les camions polo, ils vont plus vite que la caravane. Et tu veux pas t'acheter un plus beau camping-car quand même? Ouais, il coûte 31 000 hein, quand même. Ah ouais, d'accord. Non, ce qu'il faut, c'est qu'on se trouve un speedo, tu vois, ou un truc comme ça. Ouais. Pour vraiment qu'on garde la caravane tout de suite pour dormir, qu'on respecte un peu, qu'on respecte l'endroit où on dort, quoi. Ouais, je comprends. Ouais. Quand j'y pense, franchement, c'est pas si c'est gouverneur ou procureur, mais quel enculé, franchement. Ouais, j'avoue. C'est sûr, quand vous êtes arrivé, j'étais assis sur la fontaine quand il m'a appelé. J'étais assis sur le bord, posé. J'étais en train de faire une petite reprise de Numb de Linkin Park. Oh, le mec. Mais j'étais en mode. Non, mais ce qui fait mal, attends, tu vois. Putain, ça se trouve, ils sont en train de faire les livraisons dans toutes les entreprises de Los Santos en même temps. Oui, ils se croient que c'est ça. En fait, ils se croient, ils collectent les impôts. Ah, ouais, ok. Ouais, pour la dépanneuse qui vient de partir en peinture, ça n'a pas été payé? Tu viens de me dire, le client? Franchement, moi je suis gentil, je respecte la loi, tout ça. Oui, bon, pas toujours. Mec. Quand même. Non, c'est des emprunts, en fait, c'est des emprunts. Oui, non, mais je comprends, je comprends. Avec un peu de chance, le receleur il revendra les trucs à ceux qui ont déjà volé, quoi. Ouais, moi c'est ce que je me dis. Moi, tu sais, je suis un petit peu le Robin des Bois, Kenzie d'Irak. Ok. C'est si Robin d'Irak. Kenzie d'Irak, je connais pas, mais. Là, c'est un titan qui est connu dans la musique. D'accord, ok. Et moi, c'est un peu
le Kenzie des bois. Ok, d'accord. Je vole au Oris et je redonne à Zazon et à Cindy. Ouais, et après, vous blindez pas non plus. Hein. Franchement, on est vraiment pas blindé du tout, du tout. T'imagines tout ce que c'est pour travailler. On est aussi, quoi, un peu, non? Bah non, t'inquiète, je vais rentrer après la poubelle, les IV mollo. Ah, attends. Ah. Si, si, ça passe. Si, ouais, je me doute que tu es déjà allé. Mais comment tu sors? Attends, tu vas sortir à mon côté. Ouais, je pense, ouais. Tu vois, t'es dit, tu vas sortir de mon côté. Bouh. faut vider ouais, dans le coffre, du coup. Ouais, dans le coffre, je crois qu'il reste deux tableaux. Ça? Ça, ouais. Ouais. Ouais, franchement, moi, c'est, tu sais, quoi, finalement, c'est pour faire du bien aux gens. C'est parce qu'ils ont des gouttiottes, hein, ça les aide à redécorer. Ok. 470 balles. Ah, celui-là, c'est pour toi. Ouah, merci, mec. Ouais, c'est normal, attends, t'imagines. Mais t'imagines. Franchement, on fait des collabos. Ça c'est dégueulasse. Oh, si long aussi, moi ça. Tu vois, c'est, franchement, les gens ils pensent qu'on fait des sauts illégales. Moi non, je suis un petit peu décorateur intérieur. C'est des sauts de leur militaire visuel. T'imagines-toi la vie. 323. Oh, vas-y, bâtard, c'est. Tu les récupères. Non, vas-y, je te laisse tout. Ah, tu me laisses. Oh, c'est gentil, mec. Je peux monter derrière? Ouais, vas-y, ouais. Je sais pas, je suis où là? Ah, je suis derrière. Non, en vrai, je suis pas rassuré. Ah, vas-y, passe devant. Même quand on trouve, tu peux marcher, c'est ça qui est bien. Hop. Ah, tu vois, je pense qu'en plus, un speedo, ça rentrera mieux dans l'allée. Ah, oui. C'est combien un speedo? Speedo. Alors, hésite avec le Yuga, parce que le Yuga est moins cher. Le Yuga, il fait 15 000. Ouais. Mais par contre, il a que deux places. Mais en même temps, je me dis, je suis pas là pour faire des colonies de vacances. Hein. Pourquoi le speedo, il en a quoi, 4? 4 places, ouais. Comme le okay. Runpo. Okay. Bon, après, c'est 2000 balles d'écart. C'est pas. Ah, ouais. Parce qu'après, de toute façon, un speedo ou un Yuga, ça se ressemble hein, physiquement. C'est pour. Regardez sur le site. Hein. Encore un jour se lève sur Los Santos et je sors doucement du camping-car. Je vais boire un café sébile au Elgin's. Attends, il y a le Yuga. Ah oui, Yuga, Speedo et Rumpu après. Okay. Ouais, après il y a le Yuga Luxury. Je trouve qu'il est trop beau, mais t'es un peu flatty. Non, après c'est le. Attends, c'est le Moonbeam qui est bien. Ouais, Moonbeam, mais c'est cher. Ouais, c'est 20 000 quoi. Non, franchement, sac de l'air compte. Hein. Après, notre but, il est pas très élevé. Hein, c'est le speedo a largement plus de place pour stocker dedans. Quoi. Ouais, c'est ce que je me dis. Parce qu'en fait, ce qu'on voudrait faire, c'est pouvoir ramener nos camping-cars là où on habite, à la base, tu vois, sur le terrain de foot. Ah oui, ok. C'était normalement, les camping-cars, on les laisse au terrain de foot, sur le terrain de foot de vers les taxis. Ouais, ok. Et vous promenez avec un véhicule c'est ça. Plus discret quoi. Bon après c'est à vous qu'on a toujours l'envie d'aller se mettre des camping-cars sur la pelouse du gouvernement. Hein, mais... tu m'étonnes. Je pense que ce soir-là, ça sent la garde à vue. Tu crois qu'ils sont Ouais c'est pas trop. Ah, ils sont en furie, hein. Franchement ils sont en furie là. Hein. J'entends les sirènes. Il doit être au journal là à côté. Ah c'est possible. Et tu sais pas Zamal si celui-ci sur le Yuga ou sur j'en sais rien moi le Speedo, on peut pas mettre des stickers LED Cola ou Sprunk ou Non j'en ai aucune idée. Je sais pas où est-ce que je peux avoir l'info, j'essaierai de me renseigner.
tu voudrais faire genre un truc de pub pour être plus discret ou quoi. Ouais, mais en même temps, ça me dit c'est peut-être pas très discret. Ouais, non, à mon avis, c'est plus flag. Mais Après, tu peux espérer l'avoir payé moins cher comme ça si tu fais de la pub pour des marques. Ouais, bah c'est ça, peut-être c'est... ça, hein. T'as pas vu le feu, je crois. Regarde, ça tient la route. Ouais. Regarde. Il fait la démo hier soir. Impossible à retourner. Je suis sûr que j'y arrive. Ah ouais, bah vas-y, attends. Attends, c'est juste vérifier avant que si on se fasse arrêter, t'as rien qui craigne dans le coffre. Eh, ils t'ont fouillé hier la police? Ouais. Et t'avais de l'argent sale sur toi? Non. Oh. Ah, t'en avais zéro? Bah. Attends. Je t'ai pas repassé à la maison? Ouais, non, je crois pas. Attends, je réfléchis. Parce que j'ai l'impression qu'ils savent pas distinguer les billets qui sont propres ou ça. Hein. Bah en même temps, ça, tu sais, s'ils inspectent pas vraiment. Ouais, c'est bon, j'ai rien qui craint dedans. Allez, vas-y. Vas-y. Et la ceinture pour plus de sécurité. Ouais, là pour le coup, on va la mettre. Bon, si on se fait arrêter, moi j'ai rien qui craint. Moi non plus, je crois que sale, mais... moi aussi j'en ai un peu, mais c'est pour. C'est 3000, je crois. Moi, si on se retourne, et parce que j'ai tort. Regarde, regarde. Oh putain, t'es un fou. Il y avait tout le SWAT. Il y avait tout le SWAT. Non, fais pas ça. Ça, il y a le SWAT. Oh putain, merde. Fais pas ça. J'ai pas vu. Ah oui, ah oui, salut les mecs. Oh putain de merde, je les avais pas vus. Oh putain, tu vas me faire avoir des problèmes, ils vont pas relever ma plaque en clive. Ah j'avoue hein. Ah c'est impossible. Ah ok. Vas-y, ouais. Essaye de faire un grand demi-tour là. Attends. Mais on peut pas prendre de vitesse avec cette merde. Il va y avoir une descente là. C'est là que tout va se jouer. C'est maintenant. On tient plus à la vie, ils a mal. Quoique. Il n'y a même pas de descente, putain de merde. Oh oh. Je peux le réparer. Hein. On se croit qu'on va aller au garage. Oh, j'ai ce qu'il faut sur moi, t'inquiète. Ah mais je crois que t'as pas trop le droit de te servir tes outils quand t'es pas au travail. Oui, j'ai pas non plus le droit de voler des voitures. Non, c'est dit, c'est impossible à retourner. J'avoue, je suis espanté. Ok. Eh ouais, ça colle à la route. Je suis choqué. Ah, c'était dit, le petit Marcus le tour, il a réussi à me faire faire tout un 360 sur deux roues et c'est passé par tourner. Ok. Oui, il y a des bateaux là, il y a un marchand de bateaux ici. Ah, c'est un revendeur de bâtis, ouais. Et franchement, je crois que le demi-tour devant le squat là, avec la caravane. C'était pas un super plan. Non, ça j'avoue, mais je suis désolé, je les avais pas vus. Oh putain, regarde des hélicos. Oh. Non, reste loin, parce que franchement, on va te faire défoncer à force. Ouais, j'avoue. Tu veux pas les suivre? Non, pas trop, non. Non, c'est bon. C'est bon. Monsieur Zovac, monsieur... Zazon Kovac, votre véhicule est en fourrière. Je sais pas pourquoi. Ah, vas-y, je vais regarder ça. Ouais, ça me dérange pas, hein. S'il faut aller au garage sans de pare-brise, c'est ouais, mérité. Tu vas devoir payer. Attends, par contre, je vais manger un tacos avant.
Je sais pas si tu joues de la musique, mais je t'entends pas, mec. Je vois que tu parles, mais je t'entends pas non plus. Ah, excuse-moi, c'est arrêté. Ok. C'est bon, il est réparé. Ah, attends, je vais ramener ma moto chez moi et tu vas me ramener au garage, du coup. Ça t'embête pas? Ouais, t'as marre. Ça te va? Ouais, t'attends là. T'avais d'autres trucs à faire? Non, non, après, je vais aller un petit peu faire de la guitare devant le Burger Top. Ok, vas-y, j'arrive. Ça t'attend. Je prends l'appel 84 de la moto accidentée. Ouais. Ouais, ça me rappelle plus où tu m'as dit que tu voulais que ça t'attende. Non mais vas-y, j'arrive au Elgin's là. T'es à pied? Non, t'inquiète. Je vais arriver. Ouais, ça t'attend. Ouais, vas-y. Très jolie voiture pas toi. Ouais, t'as vu. Ah, c'était pas loin, je me dis qu'il se rappellera pas qu'il avait garé là quoi. Ouais, bon, il pourra te dire que t'as un malentendu. Ouais, voilà, c'est ça. Tu me déposes là où on s'est mis hier soir, là devant le parking employé. Ok, ça marche. Tu pouvais aller tout droit. C'est fait, mon seigneur. C'est plus simple, disons. Tu veux que je te mette le GPS, peut-être? Wow, parce que ouais, ça dépend si tu veux que j'y aille par des chemins de la traverse. Attends. Ou si tu veux que ce soit le chemin le plus direct. L'interface du GPS, elle a planté. Ah bah t'inquiète, j'y vais comme ça, c'est y aller aux idées. Ah ouais, mais j'ai un souci. Ici. Ouais. T'es arrivé là? Ah bah non, c'est... Ah bon, non, j'ai pas... Ouais, c'est juste une petite question, une moto qui non, monte pas sur le plateau, le on répare sur place du coup. Je vois pas, je vois rien. Ouais, vas-y, essaie de bricoler un petit truc, mais après tu lui dis de passer au garage quand même pour faire un check-up complet. Ouais, parce que là, voyant en rouge en plus. On est vers le sentier. Quoi? On est vers le sentier. Ouais, ok. Bonsoir. Jamal. Il passait un peu chez tout le monde. C'est Jamal. Oui, oui, c'est ça. C'est vraiment personne. Ouais, il passe un peu chez tout le monde. Enfin, tout le monde de l'entreprise. T'as besoin d'aide, Justin? Révision. Ah, ok. Voilà, t'es dedans. Donc, on va faire les niveaux. Jamal, tu sais ce qui s'est passé au taxi ce soir? Au taxi? Non. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle disait qu'il y avait un hélicoptère, beaucoup de gros véhicules et tout. Mais en fait, il passe chez tout le monde. Bah, c'était la collecte d'impôts. Voilà. Attendez, avec plusieurs patrouilles et hélicoptères, c'était la collecte d'impôts? Ouais. Ils ont fait la même ici. Hein. On s'est fait des d'accord. Ils prennent. D'accord. Ils prennent. En fait, ils vident toutes les caisses, donc ils se prennent avec un peu d'actune. Ah, nous, on a plus rien a priori dans la caisse. Du bénévole là. Oui. Putain, deux véhicules. Eh ben, allez. Passe-les. J'en prends un. De véhicules ramener. Ok, t'es... Vas-y, je prends bah, l'autre. Bon courage, hein. Ouais, merci. Bonne soirée. Salut, ouais. Jamal et Wesley, retour au garage. Ouais, c'est bien. Ok, ouais. Pardon. Si vous voulez passer au garage, sinon... Ah, je... ça va aller. Ok, désolé.
ça va. Pour tout ou pour la totale du coup? C'était quoi la question? Bonsoir monsieur. Alors c'est quoi pour la moitié? Je comprends pas. Bah non, mais on m'a dit la moitié du véhicule en gros c'est... Ouais, c'est quoi le prix? C'est une estimation. C'est quoi le prix? C'est 44 000. 44 000. Dans l'absolu ça devrait être dans les 22 000 mais c'est toujours un peu plus donc comptez genre 28 000. D'accord, mais 22 c'est pour la totalité des performances. Ah ouais, d'accord, mais si je veux un truc spécifique par exemple rajouter un turbo ou alors juste le moteur. Ah bah ça je connais pas les prix par cœur de chaque voiture. Ah bah alors comment je peux savoir ça? Bah il faut que je la prenne et je vous fais un devis. Et ça coûte quelque chose okay. Un devis? Non, un devis ça coûte rien. Bah je veux bien un devis du coup et une réparation du coup parce qu'il m'a rentré dedans ce con. What the fuck, waouh. Ah oui, mais c'est le petit. Il fait des doigts. Ce petit. Qui fait des doigts? What? Il vient pour des réparations? C'est un mariage? Non. Il est dans la merde sinon. C'est un mariage. Veulent quoi ceux-là là? Ce petit studio, calme-toi. Bonne bar mitzvah à vous! Ah ok. Mazel tov. C'est juste pour le plaisir, je suppose. Pas trop de police, si vous pouvez le voir. Ouais, ok, faites-vous plaisir. Bonne continuation, monsieur Madani. Y'a pas de patron de toute façon. Vous pouvez arrêter cette émission. Ah, par contre, a priori, le SPD est pas d'accord. Bon, du coup, on va faire le constat. Le constat, tu. Attends, Ben, tu l'es quand même en sortant. Non, mais c'est. Tranquille. Pardon, madame Feldman. Non, t'inquiète, oui. Je contactais les agents derrière, ok, aussi. Très violent. Mais tu m'as défoncé ma caisse, il l'a pas vu, il l'a pas vu. Bah si, je vous demande, surtout. Vous mettez sur le côté. Allez, ciao. Jamal, t'as un prix sur sa voiture là, pour la réparation? Non mais j'allais lui dire déjà de venir avec moi pour qu'on regarde... c'est pour qui du coup le devis là? C'est pour moi, c'est pour Bigel Dunks. Venez, on va aller à l'intérieur. Il me faut aussi le devis de la réparation pour le constable l'autre. Ouais, je vais vous dire. Ça doit être... c'est quoi? C'est juste de la carrosserie de toute façon. Je crois qu'elle fait péter, mais je suis pas sûr. Ouais, c'est vrai. Il y en a pour genre avec 200 balles, je pense. On va y regarder. Elle est nouvelle la voiture? Je viens à peine de l'acheter, oui. Ok, comme ça on va en profiter. Vous êtes déjà client chez nous? Non, je suis jamais venu. On va tout faire en même temps du coup. D'ailleurs, vous recrutez ou pas? Ouais, ça va venir là. Vous pouvez postuler, ça, on a bien besoin de main. Je peux déjà postuler, c'est déjà actif. Vous pouvez postuler. Ah, j'y penserai, ok, je ferai ça. Je vais avoir besoin de votre pièce d'identité, s'il vous plaît, monsieur. Ouais, pas de soucis. Tenez. Yes, merci. Alors... Tenez, je vous la rends. Merci. Il me faudrait également votre numéro de téléphone, s'il vous plaît. Ouais, mon numéro c'est 62 81 9. Et mon nom c'est Brett Beagle Doings. Yes, c'est bon, c'est noté. Et du coup, on va rajouter... Ouais, si je peux avoir le détail de chaque truc, le moteur, la transmission, ouais, tout ouais, ça. Ouais. Donc ça c'est une tulipe... Et... Chier. Et la plaque... C'est relatif au prix aussi, des custom visuels ou pas? Non, ça c'est beaucoup plus... comment dire? C'est beaucoup plus stable comme prix. D'accord, donc c'est dans quel genre de tranche de prix à peu près? Genre si vous comptez une full peinture avec couleur primaire secondaire plus le nacre, vous en avez pour dans les 2000$. Ah ouais, ça va. Ça, les peintures, c'est pas très cher. Après, c'est... Genre les jantes et tout ce bordel, c'est quoi? C'est les un genre de prix aussi? Vous comptez, ouais, 2000$ de plus si vous voulez changer la couleur. En fait, ça dépend des voitures. Après, des voitures où vous pouvez customiser plein de choses, et là, ça peut monter très vite. Mais les custos de base, ça va. Ok. Genre celle-là, bon, je sais pas, mais si vous pouvez genre bouger les pots d'échappement... J'ai quelques trucs, il y a quelques trucs de disponibles, je crois, mais c'est pas non plus la folie. Ok.
Elle est belle de base, donc ça me dérange pas. Ouais, j'avoue que très belle voiture, hein. Très bon choix. Et ouais, c'est une 4 places, et ça c'est bien. C'est ouais. Rare les 4 places qu'il envoie. Seule 4 places. Non, non, très ouais. Bon choix. En plus, elle lève. Ouais, d'ailleurs, vous pouvez sûrement mettre un hydraulique plus puissant dans le coffre. Ah, hydraulique avec celle-là, je suis pas sûr. Ah, oui, non, 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 oui, non, elle lève au démarrage, oui, oui, tout à fait. Ouais, elle lève au démarrage. Enfin, là, pas, celle-là, elle est pas assez puissante pour, mais. Alors. Custo. Non, pas custo, perf. Typiquement, dans les perfs, par exemple, je mettrais pas les suspensions parce que ça, c'est une arnaque. Ouais, ouais, c'est possible, ouais. Alors, on va regarder ça. Hop. Modif moteur. Les freins. Par exemple, frein niveau 2. Niveau 1, 2 ou 3. Donc, c'est 1002, 1006 ou 2004. Niveau 4 pour 2004 ? Niveau 3. 2004. Niveau 3, ok. Ouais. Moteur. Moteur, il y a déjà un niveau 2 d'installé. Vous l'avez acheté d'occasion ? Non, je l'ai acheté au. Bon, ouais. De base, elle est de niveau 2. Ah bon ? Ouais. Si vous voulez un niveau 3, c'est 6004. Si vous voulez un niveau 4, c'est 8000. Ouais, ça va, c'est raisonnable. C'est raisonnable, hein. C'est ouais, les freins, c'est genre 1003, enfin 1006, ouais. Il m'a dit. Le turbo, c'est 8000. Et donc 8000 moteurs, 8000 turbo. Pourquoi je peux pas changer? Attendez. Attendez, c'est une blague? Ah, mais y'a pas de transmission. On peut pas changer la transmission après. Hein? Bah, sur quoi si on peut? Bah, ça marche pas. Oh merde! Je suis fait arnaquer. C'est bizarre. Non mais il doit pouvoir, je pense que... Je sais pas, ouais. Peut-être... Oh, t'es tellement cool avec ton sac. J'arrive pas à l'enlever. T'es tellement cool, le garde-le, t'es tellement cool. Je l'ai mis une fois et je l'ai trop des gros bras et du coup j'arrive pas à l'enlever. Je te présente mon patron, boîte. Ah, c'est ton patron. Ouais. Il est tellement cool. Ah, il est sympa, ouais. J'ai une question, y'a pas un autre mécano? Par hasard, je dois payer la facture des taxis, là. Oh le bordel. Des réparations? Non. Ah c'est ça qu'il y a dans son sac. J'ai même pas accès à la compta ni rien donc. Bon je dois avoir un souci, je peux pas changer la transmission, du coup là je peux pas vous dire. Elle est cool cette voiture, chez quoi? Une tulipe. Ah chez la tour. Bah oui j'ai pas vu toutes les fois. Donc ouais, la transmission je peux pas vous dire là maintenant, j'ai pas. J'espère que c'est pas un problème trop problématique. De 200 balles apparemment la réparation. 200 balles. Ouais, ça va être dans les 200, 300. Ah oui, il faut que je vérifie ça d'ailleurs, tiens. Ça, je vais vérifier sur mon téléphone directement. Ouais. Si quelqu'un peut y aller, là, je suis occupé. Tu peux dire si quelqu'un peut venir pour la facture des taxis? J'ai jamais fait cool. Ça donc je pourrais désolé, pas m'en occuper. On a absolument pas accès. Je n'aurais pas, une fois je suis en réunion sur une moto. Mais c'est Anton. Ouais, mais Anton il est pas là. Il est pas là, mais il m'a écrit le message pour venir. Il a tellement fait le malin lui alors qu'il a pas c'est quoi le message déjà? Ah ouais, mais tranquille. À 22h25. Je suis en fourrière d'un quad. Il l'avait pas vu. Il a pris sa fin de service. Comment ça il l'avait pas vu? Tu peux finir la révision s'il te plaît, reste sur la moto. Désolé. Vas-y, qu'est-ce. Putain, mais là, du coup, tout le monde nous parle en radio. Révision de base pour entretien du véhicule. Ça me nique. Ouais, non, moi, je l'écris, on va voir. Hein. Peut-être ouais. Que. Vas-y, vas-y. Peut-être qu'il je branle dans les trucs, là, je sais pas. Vas-y, vois. Si t'arrives à la voir. Au pire, si t'arrives à la voir, tu lui dis de m'envoyer un message avec la somme et je te fais la facture. D'accord, pas de soucis, ça marche. Merci. Je t'en prie. Du coup, vous voulez savoir comment ça se passe pour les custos, le prix que ça vous coûterait ou pas? Ouais, si vous avez le temps. Oh, après, ouais. Il n'y a pas grand chose, il me semble. Hop. Vous savez s'il est vite teinté, c'est légal ou pas? Jusqu'à 75%, c'est légal. Ok. Là, vous avez des ailerons que vous pouvez mettre. Aileron, c'est important ça. Si, un petit, parce qu'un aileron ça agit beaucoup sur la tenue de route. Genre comme ça? Genre même pas, et encore plus petit. Ah, le bec de canard, moi j'aimais bien le bec. J'ai même un petit bec à la contact, ça suffit, tu vois. Attendez, parce que là. Ça améliore pas mal la tenue de route, ça. Les jantes aussi, parce que là, les noires comme ça. Ouais, mais ça coûte 2000 balles les jantes, j'ai pas de thunes. De toute façon, j'ai pas de thunes. L'aileron, c'est cher aussi. C'est combien le petit aileron? 2200.
C'est tous les mêmes prix. Ah, mais au final, ça compte comme un boost de perf, donc bon, je pense que c'est raisonnable. Pas de caisse, y'a rien. Cage, y'a rien. Capot. Ah oui, ouais, on peut mettre des trucs comme ça. Non, c'est vulgaire ça. Non, après, il y a voilà, des trucs, comme ça, c'est sympa. Des trucs comme ça, il est prise d'air, ça peut être sympa. Les prises d'air, j'aime bien. Pas la base, les deux petites prises d'air comme ça, j'adore. Comme ça. Ouais, ça, c'est cool. Yeah. Voilà. Là, toujours plus de caisse, hein. Mais là, tu peux faire un barbecue là-dedans, c'est bon. Truc comme ça. Voilà, ça, ça c'est. Ça, c'est moche. Ça, c'est 2500. Ok. Gris, elle est chouette comme voiture, hein. Vraiment chouette. Ouais, enfin, j'espère que la transmission, ça sera réglé parce que. Ah, faut voir. Ça, au pire. Ça booste bien les performances. Vous ferez un ticket à votre assurance pour qu'il règle le souci, au pire. Yes. Okay. Pare-choc avant, pareil, vous voyez, vous pouvez changer le pare-choc avant. Ouais, ouais, tu peux les mettre en pain ou en papin ou avec un petit truc, ouais. Ouais, il y a des petits trucs. C'est cool, c'est que t'as la bonne couleur là, hein. Faut pas la changer la couleur là. Je change. Ah non, moi, de toute façon, c'est noir. Pot d'échappement. Voilà, on peut mettre des pots, des gros trucs. Des pots derrière, des pots sur le côté. Moi, je l'aime bien fine cette caisse, je l'aime bien nature. Comme ça. Double pot à l'arrière, voilà. Et le toit, y'a rien. Hop. Pour ajouter des armes automatiques sur les côtés, c'est combien? Là, je pense pas que j'aurai les pièces. Hein. Dans le coffre, on peut un rien distributeur mettre de champagne derrière, une espèce de sale simp. On peut rien mettre. Compteur de vitesse, on peut rien mettre. Fenêtre, je vais vous dire combien ça coûte quand même de teinter les fenêtres. Ouais, je suis pas fan de ça en général, en tous les cas. Mais... Bon, un petit teintage, c'est joli. Hein. 75% ça paraît, mais j'aime bien un peu le un peu c'est vert. C'est comme un ça. Peu... Ça, c'est bon, tu vois, ça, je trouve ça moche. Oui, moi aussi. Green, moi j'aime bien le green. Moi j'ai bien la chose. Il y a light smoke et après il y a limo où là pour le coup c'est déteinté. Ah ok. Et ça c'est interdit. Le pure black hein. Ouais ouais, je me doutais bien. Filtre air, non. Hydraulique, non. Intérieur, on peut pas. Putain, bordel. Vous voulez pas mettre des néons, vous êtes sûr? Des néons roses, moi je les paye, les néons roses. le truc bien avec les néons, c'est qu'une fois qu'on les a mis, on peut plus les enlever. Ah, sérieux? Ouais. Faut vraiment pas que je les mette. Ah merde, ouais. Non, après on gruge en mettant des néons avec une lumière noire et ça se voit quasiment pas. Sono-portière, non. Strut? C'est quoi Strut? Je sais même pas ce que c'est. Strut. Réservoir. Non mais ça c'est plus pour les motos je pense. Ouh. Yep. Bon bah t'es bien là, tu vois, tu veux encore peut-être un petit 30 000 et c'est bon là, t'as juste à charbonner. Ah, hein. Pas, s'il n'y a pas la transmission, il me faut du 16 000. Non mais je pense qu'il y aura la transmission. Ouais, ça serait un truc à régler je pense. Yep. Tu repasseras demain au pire pour voir. De toute façon j'ai pas vu 1005 légendes à peu près. 1005 légendes à peu près. Ça va, parce que des fois ils te font payer deux fois le prix du véhicule pour. Ouais, pour nous booster donc bon. Allez, on va. Ça me rappelle quelque chose ça. Je vais vous faire la petite réparation. Yes, ouais, on vous attend dehors, merci. Bah, je vais la faire dehors de toute façon. Putain de merde. Oh le bordel. Allez. Je la laisse là parce que c'est compliqué des fois de voir oui. Les choses. Je vais juste vous faire la petite facture. Vas-y. Et voilà. Hop là. C'est parfait. Merci beaucoup. Merci, c'est quoi ton nom? Moi c'est Jamal. Ok, comment je l'envoie? Où est-ce que je l'envoie mon CV? Si j'en fais un. Life Invader, tu as? Ouais, j'ai. Tu cherches Anton Popov sur okay. Life Invader et tu lui envoies CV lettre de motive. Ok, ça marche. Après, pour être très honnête, sinon tu t'essayes de venir un soir et tu le top. Moi, je lui ai envoyé un mail en lui disant que j'avais pas de CV, que j'avais pas. Ah, ça m'est cool comme ça, c'est qu'il s'en fout et me dit ouais, ok, je comprends, ça, j'aime bien ça. En gros, c'est tu fais tes preuves quoi. C'est ça. Ok. Ouais. Bon, ça va te passer de temps en temps du coup. Merci Jamal. Ouais, pas de soucis, merci à vous. Merci Jamy. Les secondes. C'est impressionnant. Il n'y a pas de jaune, celle-ci. Ok, du coup, monsieur, je vais vous faire la facture. Ah, très bien. Bah, ça fera 200$, s'il vous plaît. Arrête, là t'es cringe, là t'es cringe. Voilà. My queen.
Merci beaucoup, une bonne soirée à vous. En partant, il a dit impressionne là. Donc... Est-ce que vous pouvez passer un petit coup de... Non, mais c'est de là, je te jure. Ah. D'accord. Bon, Jamal, il faut qu'on se voit aussi. Je t'avais promis une séance. Oui, non, mais. Je sais que c'est compliqué en ce moment, mais. Pas de soucis, ouais. Si t'as le temps, on fait ça quand tu veux. C'est quoi, tu veux une séance d'une demi-heure? Une heure? Non, une demi-heure, ça devrait le faire. Ouais. Je te laisse choisir le lieu et tout, honnêtement. Non, en fait, ça dépend de ce que tu cherches. Tu veux un truc qui te. C'est pour tes réseaux? Ouais, c'est pour changer ma photo de profil, quoi. J'ai pris un vieux selfie. Mais tu comptes pas. Tu préfères quoi? Un truc à ton taf ici, un uniforme ou un truc. Non, pas au taf. Ouais, ok. Je vois. Je passe ma vie, okay. Ça va. Tu as mon numéro? J'ai ton numéro. Bonne question. Bah négatif. 106-26. Ah, il est pas compliqué à retenir. Ouais, ils ont eu pitié de moi. Ah, allez. C'est noté. Du coup, si tu veux, on devrait pouvoir se caler ça demain. Je te dis ça. T'es pas là demain? C'est pas dit. Enfin, je suis là, mais je serais peut-être occupé. Ok, c'est pas grave. Pire des cas, si je réponds pas au téléphone, n'hésite pas sur Ali. J'ai pas beaucoup de réseau sur Sandy Shore. Ouais, pas de soucis, t'inquiète. J'ai vu un de vos collègues échapper à des... à des problèmes. Là. j'ai vu, hop, ça a tourné à gauche, ça a retourné à gauche, j'ai vu les flics aller tout droit, je fais bon, bah c'est bon, il a gagné. Qu'est-ce qu'ils sont cons, je te jure. Beaucoup rigolé. Ouais, ça se passe bien pour toi le garage là? Bah ouais, tranquille. Pas de regrets, hein. Tu vois comment a tourné l'oiselle, hein. Ah ouais, j'avoue. Non, ça va, tranquille. Cela dit, hein, y a pas de patron. Voilà, je suis payé. Hein. Ah ouais, t'es payé là? Ouais, ah, t'es bien là. Et t'envoies les pubs? Ok. Ouais, des fois j'y pense. Ah ok. Super, merci. Du coup, je fais juste ta facture. Et voilà. C'est bon, on l'avait déjà fait la facture. C'était sans le petit nettoyage. Ouais, non mais tu fais pas payer le nettoyage, ah, Wesley. C'est... Non. De quoi? Non, c'est pas. Non, tu fais pas payer le nettoyage. Que si la personne va nettoyage. Mais je vais donner un petit. Du coup. Pardon? C'est marrant parce que je viens de envoyer une pub pour le unicorn et le unicorn est derrière nous. Ouais, qui est fermé. Voilà, on en a foutre, enfin, ils ont payé. Hein. Oui. Comme ça, on dirait que c'est vraiment. Merci beaucoup. Ils sont insupportables. Ouais, complètement. Qu'est-ce qui se passe là? C'est le patron du Unicamp qui se casse, donc ils font chier toute la ville du coup. Eh bah tant mieux alors. Tu sais, c'est un peu comme les gens qui veulent se flinguer mais qui décident de bien faire chier et de sauter sous un train. Ouais, ils veulent se suicider mais ils font chier les autres gens en fait, c'est un peu con. Ah, c'est l'idée. Ouais, c'est un peu ça, les gens n'ont rien demandé quoi. S'ils veulent se tuer, ils se mettent au bout d'une corde ou... Voilà. Je pensais pas que ça allait lancer un débat par contre. Non, j'ai juste donné mon avis, après tout. Si chacun a le tien, après. Ah, ils ont pas fini apparemment. On y refait le tour. Ah, par contre, il va falloir appeler les flics bientôt. Ah, désolé, on fout le bordel. Hein. Un poil. Un peu, ouais. Tant que vous cassez rien. Non, fais gaffe. Ah, la mouton, madame. Ah, merde, ouais, ça c'est le problème. Ça. Ouais. Vas-y. T'es sérieux là? De quoi? Descends et regarde ce que t'as fait là. Mais vous savez très bien comment c'est. Vous savez très bien, arrêtez de faire les choquer à chaque fois les gars. Franchement, c'est bon, c'est fatigant là. Vous savez comment c'est.
Vas-y, ouvre, je vais te la réparer. C'est vrai, en plus. Mais non, mais au bout d'un moment, c'est marrant de lui. Mais là, là-bas. Ah bah, il y a moi. Ah, c'est... Même moi, hein, moi aussi, regardez la gueule de ma voiture. Ah ouais. Je voulais pas que je mette un petit coup dessus pour l'armée. Ah ouais, je l'ai vérifié du coup. Toucher, Vas-y, vas-y. Désolé, mais touché comment... Mais vous étiez pas censé retourner au Unicorn là. Moi, je viens d'envoyer une pub en disant que le Unicorn était ouvert. Absolument rien du tout en ville. Ah ouais, sérieux? 2000? Ouais, ouais. Ah ouais. Comme neuf. Putain, j'aurais forcé 2-3 personnes et c'était bon. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Enfin, on peut tous regretter maintenant, mais c'était un peu ça, quoi. Ouais, 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 bah écoute, c'est comme ça. C'est plus Zachary qui est déçu. Mais là, en plus, on nous a... Merci, Jamal, pardon. Non, t'inquiète, pas de soucis. En plus là, il commence à taxer tout le monde et tout déjà d'entrée d'office. Bah ouais, c'était du coup je vois ça, soir, mais hein. Attends, le gars il a sorti l'hélico pour ça. Ah ouais, ouais, ouais. Attends, hélico, deux squats ou je sais pas quoi là, on dirait des chars d'assaut. Des blindés. Des blindés, il y avait au moins 8 agents je crois. Enfin, lui, c'est ça qui est, c'est passé devant l'entrée. Lui venait en limousine quoi. Ouais, ouais, j'étais devant les taxis. Et l'hélico, j'ai des rage mode. Ah, il était vraiment bas. Il était trop bas, genre. Ouais, ça a bougé. Moi j'ai essayé de retourner un camping-car devant eux, on faisait les cons avec un pote. Bon, bon après en même temps, en même temps, tu sais ce qu'ils étaient en train de faire, de prendre la toune de toute la ville, donc c'est normal, je pense. Oui, 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 mais bon. Ouais, imagine enfin, combien il y a dans le coffre. Pour le coup, moi, vraiment, hein, niveau tactique, hein, j'aurais clairement pas opté pour le gros hélico et les 10 blindés. Hein, j'aurais plutôt choisi la discrétion à 3h du mat, 4h du mat, tu vois. Ouais, ouais. Non, mais tu sais, c'est. Pour en faire des caisses. Après, oui, non, mais c'est ça, c'est-à-dire que. C'est ce que je disais, hein. On avait une petite princesse, maintenant on a une petite reine. Hein. Ouais, c'est ça. Ah, mais toi, t'as plus de patron, t'es tellement bien. Ouais, enfin. Tu vas être patronne du Wizard. C'est-à-dire que du jour au lendemain, je suis viré là actuellement. Hein. Ils sont en train de faire le point sur l'activité des employés. Ah, oui, ok. Effectivement, là, ils sont en train de voir. Bon, elle est en train de discuter au LS Custom. Ah là, exactement. Sauf que de ce que j'ai compris, l'ancienne équipe faisait tout le temps la même chose, mais ça posait pas souci quoi. Oui, non, enfin, honnêtement, hein, je prends le rien, on va pas se le cacher, hein, je m'attends à être viré à tout moment. Attends. Oh. Attention. Oh putain, j'ai cru que. C'est bon. Ouais, toi aussi t'es au taquet, genre. Garde du corps, garde du corps. Yep. Attends. Je sens que je vais devoir faire une révision sinon. Ouais, ça va mal finir. C'est chiant, mais bon. C'est un peu ça chiant, va toi avec ton copain? Bon bah écoute, oui, si tu veux, tu en penses ce que tu veux. Si on court, moi je vais. Je vais vite passer à la boutique. Ça marche. Oh là là. Ciao, merci encore. Bonne soirée. Comme d'hab quoi, pour changer. C'est quoi ta moto? Une Avarus. Une Avarus. Elle a de la gueule, hein? Et toi, tu es contente? C'est même pas ça la question, c'est que j'étais trop bien assis dessus. Ah ouais, bah oui, oui. Trop bien installé là. Je suis contente d'être manager. C'est bien sûr. C'est plus ah ouais, putain. Guidon à corne, tu vois. Enfin, tu sais, genre. Ça te fait quoi? Le guidon haut? Ouais. Ça te fait chaud ou quoi? Ah bah moi non, pas trop ça justement. Ça fait plaisir parce que tu as et tout. Y'a un mec là, Delos, qui est venu il y a pas longtemps avec une bobeur. Pourquoi chez Edouard? Parce que toi t'as pas voulu? Qui a si, ça déjà? Oui, mais pour lui, il est gérant. Pour le moment, ouais. Mais pourquoi ça a été Louis? Parce qu'il a été c'est ça? Ah ouais. Sean? Ouais, je crois, ouais. Attends, c'est quoi? Mais toi, ça t'aurait intéressé ou c'est trop? Oh, moi je vais faire mon dossier, bien sûr. Ah bah, ah oui, c'est vrai. Maintenant, c'est que le meilleur il gagne. Attends. Bah, moi je m'en fous que ce soit moi ou elle. Vous allez faire les deux un dossier?
Y a des liens intéressés. Ouais, il en a une. C'est cool. Ouais, bah ça devait être. Bon, après, c'est peut-être. Enfin, tu vois, c'est peut-être lui le proprio, mais je sais pas comment ça marche leur truc. Je pense qu'avec lui, ça peut si c'est comme. Enfin, moi je connais comment ça marche chez les familles, et les mecs, c'est le OG qui achète, mais grosso modo, tout le monde peut s'en servir quoi. Ah, non, disons qu'ils ont chacun leur bécane, après ils peuvent se filer des clés, mais. Ok. Mais ils ont leur propriété. Regarde là-bas ici, parce qu'on sait jamais. Il est là. Je sais pas, dans un parking ou quoi. Incroyable! Viens avec tous ces véhicules! Le mec quoi! Il a ruiné le taxi et puis du coup il revient avec le. Putain, il a une voix trop gentille lui! D'ailleurs, attends, il y a juste gentil. Un truc! Si, il est cool! Je l'ai rencontré hier! Avec ses mobiliers! Oh là là! Ah oh, putain! Putain, mais le talent des gens quoi! Je crois qu'il. Ah ouais, elle va rouler encore? Ouais, c'est bon, merci. Ok. Je vais juste le bouger, du coup. Ah, pas de soucis. Ok, Jamal. Ouais. Tu peux t'occuper de cette voiture que t'as ramenée. C'est lui. La Buffalo, là. Ouais. C'est à vous, monsieur. C'est ça. Allez. Juste regarder vite fait. Mais je viendrai la récupérer. Non, mais j'avais quasiment. J'avais regardé un peu tout à l'heure. Ah, ouais, putain. Tu l'as fait la tienne, Wesley? Ouais, la mienne, je l'ai faite. Bon, par contre, le propriétaire de la véhicule belge, je pense qu'il viendra demain. Ok. Je crois qu'il est parti dormir entre nous. Non, mais là, ça va être. Il fallait juste que je finalise, j'avais oublié de finaliser le truc. Non, à tous les cas, là, j'ai un autre véhicule de. En dépannage, André Larry. Ouais, mais comme ça, je vous fais la facture, vous pouvez venir la récupérer quand vous voulez. Pas de soucis. Alors que c'est dit quoi? Ouais, c'est finalisé déjà. C'est Harper, c'est ça? C'est ça. Okay. C'est ça. Hop. Alors, je vais check ça. Est-ce que vous pouvez me donner la plaque d'immatriculation? Ouais, bien entendu. Ah, mais non, on la voit pas, vous devez l'avoir sur vos clés. Malheureusement, le véhicule, je l'ai prêté à un ami, du coup, si j'ai pas les clés sur moi. Ah merde! bah, attendez. Hop, voilà, ça va être plus simple. Alors, V09158NH. Ah, mais putain, on l'a pas enregistré. Ah, si. Ouais, essayez Q alors, VQ. Alors attendez, non, c'est peut-être VZ. Justement, j'ai mis VQ. Alors attendez. Essayez VO du coup. Bon, sinon, je vais chercher avec votre nom directement. Ouais. Parce que j'arrive. Ah, c'est peut-être un 0 après. Hein. Soit un O, soit un 0. Ou un Q. Harper Buffalo S VQ 9158 NH. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Ok, du coup, c'était voyant rouge. Et vous pouvez dire à votre ami aussi que sa voiture elle est prête. Hein. Ouais, bah quand je le verrai demain, du coup, monsieur, c'est pas un souci. Ils vont passer la nuit ici, je pense. Par contre, il faut payer. Ça, je vais payer pour lui. Ok, pas de souci. Tu peux lui faire alors une deuxième facture de 425$, s'il te plaît. 425$ okay. Ouais. Okay. Fais le total. Non, je suis obligé d'en faire deux pour la première, okay. C'est plus simple pour nous. Hop, donc c'est 450 pour la tienne. Parfait. Du coup, 425 pour celle-ci. C'est parfait. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne soirée. Bon, vas-y. Putain, j'avais ma radio coupée depuis tout à l'heure. Il est parti
Il est parti, Justin? Justin, t'es là? Bonne question. Ouais, je suis en fourrière. Ok, moi je vais prendre ma fin de service là, j'en ai plein le cul. Ouais, qu'est-ce qui t'arrive? Bah, j'en ai plein le cul. Ah, ok, bah laisse-toi pas faire. Allez, ouais, bonne soirée les mecs. Allez, ciao. Sans je faire pareil, moi je rends le quad à Madani et j'arrive. Je sors.